On a donc en vrac cette semaine le Ghetto Phénomène. Et oui, ils sont de retour. Je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises avec le projet Longue Vie. On a le droit à 12 tracks tout de même. On a des sons comme le titre Ghetto Réalité là qui m'a régalé. Vous allez voir, ça rappelle un petit peu le titre Bon Moment de l'Escadrille en featuring avec Sniper. Un son que j'écoute encore assez régulièrement et tout, que je kiffe toujours. Donc ça m'a fait grave kiffer. Puis on a aussi le titre éponyme. Et oui, le titre éponyme Longue Vie. Ça, il est très très lourd aussi. Donc voilà, pas mal de titres. Je vous avais déjà parlé des premiers singles qui étaient sortis. Allez checker ça. L'envie, je vous souhaite une envie. On a aussi le rappeur Dims du 9-4, voilà, qui est très proche de Gros Dash, tout ça, Flyman Vision. Il est de retour avec un petit projet, pas moins de 5 titres tout de même. Et gros big up pour le titre Je m'en irai. Pleurer des rivières, rajoute un peu de river. Dealer Swift, c'est le chapeau rêveur. J'étais dans le bloc quand tu caillais l'hiver. Et puis on a Ol' Kenry, alors là, rappeur, voilà, tu connais, hein, il est là depuis. Il a rien à prouver, mais il est toujours là. Ça fait extrêmement plaisir quand il y a des projets comme ça qui sortent. Je suis toujours en kiff. Là, ça s'appelle Noble Art. On a le droit là aussi à 12 tracks en featuring. On a, en fait, il a fait un truc pas mal, en fait, parce qu'il y a un titre qui s'appelle Valar Morghulis, voilà, qui veut dire tout homme doit mourir. Et en fait, sur ce titre-là, qui est un gros titre, un peu comme à l'époque où t'as plein de rappeurs qui enchaînent et tout, ça kick un peu de tous les côtés. Et en fait, tous ces rappeurs qui sont sur le track, eh ben, ils sont en featuring après sur des morceaux. J'ai trouvé ça très très fort. Le projet, il est lourd. Comme d'habitude avec lui, on a plein de refs au cinéma. Voilà, tout ce qu'il aime, tout l'univers un peu pop culture, on va dire. Et c'est très très lourd comme d'hab. Ah ouais, d'ailleurs, il vient aussi de balancer le titre OG avec Alonso. C'est pas n'importe quoi. OG pour OG. Dans la douche, un peu souris, un peu douche. N'écoute vraiment aucun de vous, flemme, je les enfile par douzaine. Je pense à Sarah, qu'est-ce qu'elle est douce, elle. Et puis on termine ces sorties de la semaine avec le big projet, le projet de Moumou, le projet incroyable, le projet que je kiffe de fou, le projet que j'ai précommandé. Et voilà, là j'arrête pas de regarder le suivi Colissimo. Où est-ce qu'il est mon colis? Est-ce que ça arrive? Normalement ça arrive demain. J'ai hâte. Du coup, d'ailleurs, je vous ferai gagner sur Instagram l'album de Jul, voilà, pour ceux que ça intéresse, C'est quand qu'il s'éteint, le nouvel album qui vient de sortir aujourd'hui, voilà, moi je l'ai préco. C'est histoire de donner de la force, j'ai rien pour lire les CD. À chaque fois, il y a un petit t-shirt ou quoi, donc ça fait toujours plaisir aussi. Et en même temps, je sais que voilà, ça me permettra de vous faire gagner quelque chose derrière. Donc voilà, venez sur Insta pour ceux qui ne sont pas encore sur Insta, Tyler, Tyler. Le média, tout attaché. On a donc le droit à 21 sons. Comme d'habitude, hein, le Jul, le J, il envoie à toute balle, à toute berzingue. Et puis, comme d'habitude, c'est un projet très varié, un projet où il dit pas mal de choses. Donc voilà, va falloir que je l'écoute, je le réécoute. Hein. Ça, je ne l'ai pas eu en avance. Donc là, je l'ai écouté juste aujourd'hui. Mais il dit pas mal de choses. Il parle beaucoup de sa femme, mine de rien. Par-ci, par-là, dans le son à la vue, là, c'est un peu petite déclaration d'amour et tout, disséminée. J'ai bien kiffé. Il remercie aussi beaucoup Dieu, hein, franchement. Il remercie plusieurs fois. Il se demande même limite pourquoi ça lui arrive à lui. Et puis je vous le disais aussi, c'est très varié, donc on a aussi le droit à un son funk, ça s'appelle Je m'en fous de tout. Et puis dans le titre Montana, il nous dit je taffe encore mais je veux grimper. Donc voilà, on est encore prêt à accueillir des nouveaux projets de Jul. Il va nous envoyer encore du sale, il veut encore grimper, il veut encore faire plus, aller plus loin et tout. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir, ça va pas s'arrêter de sitôt. Il peut toujours nous prévoir une énième dinguerie, des nouveaux trucs, des trucs incroyables comme il avait fait avec le Très Organisé. Il avait sorti le projet aussi avec plein de rappeurs de l'Europe et même du Maghreb et tout. On ne sait pas ce qu'il peut nous prévoir, mais lui, il peut nous sortir des trucs de zinzin, des trucs, je sais pas, avec Drake, Rihanna. On ne sait jamais. C'est pas impossible avec le Jul. Et voilà, on ne sait pas jusqu'où il ira, mais on a hâte de voir ça. C'était Tyler. Ciao! Normal en bac à un rod, ça me prend pour un ce gars, c'est pas sérieux. J'ai des propositions, fallait pas serrer. N'a mis un bon, un vrai, c'est rare. Des fois, se retrouver seul, c'est mieux.